Bonsoir, l'amélioration s'est fait sentir ce vendredi sur les régions de la moitié nord avec le retour des éclaircies. Au sud, c'était encore l'été avec soleil et forte chaleur. Demain matin, on va retrouver un soleil bien présent sur une grande partie du pays. Quelques plaques de grisaille seront présentes, certes, au lever du jour, notamment vers les frontières du nord-est, vers le Pays basque et vers le golfe du Lion. Et quelques nuages également vers les côtes de la Manche avec de la pluie sur la pointe du Finistère. À l'après-midi, vous retrouverez les nuages les plus nombreux sur la pointe bretonne avec encore des précipitations. En marge, un ciel variable près de la Manche avec attention en fin d'après-midi et quelques orages vers la Normandie. Ailleurs, c'est donc le soleil très généreux qui va s'imposer dans une atmosphère très estivale. Les températures de votre samedi matin, entre 11 degrés en Belgique et déjà 22 pour Nice. Et puis l'après-midi, les températures particulièrement chaudes pour la saison, quasiment partout, sauf sur la pointe bretonne, 17 degrés à peine à Brest, mais comptez sur 27 à Bruxelles, 30 degrés pour Reims, 31 à Paris, 32 à Strasbourg, 34 à Lyon, ainsi qu'à Nevers, 35 à Agen et probablement jusqu'à 36 degrés pour Bordeaux. Votre soirée de samedi sera marquée par des orages entre la Normandie et les Flandres. Attention, ils pourraient être localement marqués avec des chutes de grêle et ils évolueront en cours de nuit sur les régions de l'extrême nord. Pour dimanche, on retrouvera des conditions largement ensoleillées sur la plupart de nos régions. Un ciel qui se voilera près de la Manche et près de l'Atlantique avec en fin de journée et en fin de journée seulement l'arrivée d'orages. Les températures seront encore particulièrement chaudes avec 30 degrés à Bruxelles, 33 à Paris, 35 degrés à Clermont-Ferrand. Votre lundi sera en revanche marqué par une dégradation pluvio-orageuse, notamment en journée entre le sud-ouest et la Belgique. Elle gagnera ensuite les frontières de l'est en fin de journée. Les températures vont donc accuser une nette baisse dans l'ouest du territoire, mais elles resteront encore très chaudes dans l'est où elles dépasseront encore les 30 degrés. Par contre, à partir de mardi, la baisse des températures sera généralisée avec encore des averses orageuses entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Mercredi, on les retrouvera vers les Pyrénées et vers les Alpes. Ailleurs, un ciel variable et quelques ondées. Les températures tout juste de saison et elles seront plutôt fraîches pour jeudi et pour vendredi prochain avec un ciel variable sur la plupart des régions, quelques averses par intermittence. Et donc je vous le disais, des températures à peine de saison. Demain nous serons le samedi 29 août, nous fêtons les Sabines et nous perdons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain soir pour un nouveau bulletin. À demain.